Good morgen, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, le Nishmat Machlouf Micha Ben Mazoud Arif Kabat Levi Yitzhak et Dov Ben Yehudit, si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Kinim Perek Gimel Mishna Bet. Achat lezu, Ushtaim lezu, Ve Shalosh lezu, Ve Eser lezu, Omea lezu. Asa Kulan le Maala, Mertza Kacher ou Mertza Pasoul. Kulan le Maata, Mertza Kacher ou Mertza Pasoul. Chetzian le Maala ve Chetzian le Matan. Hamerube Kacher. Ze Aklal. Kol Makom Shata Yachol Lachalok et Akinim. Velo Yu Michel Isha Achat. Ben Mile Maalan, Ben Mile Matan. Mechetza Kacher ou Mechetza Pasoul. Kol Makom She'en Ata Yachol Lachalok et Akinim. Ad She Yu Michel Isha Achat. Ben Mile Maalan, Ben Mile Matan. Hamerube Kacher. Le principe de la Mishnah, il est très facile, d'accord? C'est la suite de la Mishnah précédente, on va l'expliquer donc tout de suite. Il va y avoir après la Mishnah, hein, elle va continuer en me, donnant une généralité pour synthétiser la Mishnah Aleph et la Mishnah Bet, une généralité floue au possible. Le Bar Tanoura ne s'est pas chargé, enfin j'ai pas vu dans ses mots qu'il expliquait l'ampleur de cette généralité, à la limite c'est une généralité qui va que compliquer l'histoire, il va mieux souvenir de la Mishnah plutôt que de la généralité. Et il y a le Tiferet Israël qui rallonge beaucoup pour donner une allure à cette généralité. Ça va être un petit peu corsé de l'expliquer. Pas de le comprendre, de l'expliquer pour moi, ça va être compliqué. Comme pour le Tiferet Israël aussi, c'était très long pour qu'il l'explique. J'espère qu'on va s'en sortir, mais au pire, la Mishnah, vous allez la comprendre quoi qu'il arrive. D'accord? Au pire, la généralité, c'est pas grave, en fait. Et la Mishnah, on continue maintenant dans notre Mishnah à parler du Kahou. Depuis le troisième Pérec, en fait, on parle du cas d'un Kohen qui se jette à l'eau, qui prend des initiatives tout seul, au lieu de se concerter. D'accord? On avait appris les lois des mélanges, des kinim, des paires d'oiseaux, comment faire pour sauver le maximum d'oiseaux, en faire soit khatat, soit ola, selon le cas, pour faire du sur, et le reste, il fallait laisser mourir de faim. Laisser mourir, quoi, et apporter deux autres korbanot à la place. On a affaire depuis la Mishnah Aleph à un Kohen, lui, qui prend des initiatives. Il dit, bon, pourquoi, allez, on va tout faire, soit Khatat, soit Ola, soit il coupe ça en deux à sa manière, comme un barbare, et il dit, allez, je fais la moitié Khatat, la moitié Ola. Et on s'intéresse à savoir maintenant, ben, a posteriori, même s'il ne fallait pas faire ce qu'il a fait, s'il a fait malgré tout, combien a-t-il réussi à faire de bons korbanot? Le principe, il est très simple. On avait appris dans la première Mishnah où il y avait un mélange de 1 contre 1, Rachel, elle devait apporter une paire d'oiseaux, et l'autre, Léa, elle devait apporter une paire d'oiseaux, ça s'est mélangé. Ou bien deux paires, trois paires, trois paires. Maintenant, on continue la Mishnah avec un nouveau cas de figure, qui est Achat lezou, Shtaim lezou. Une Rachel, elle devait apporter une paire d'oiseaux, et l'autre, elle devait apporter Shtaim lezou. Deux paires d'oiseaux, elle devait apporter. Shalosh lezou, Veshalosh lezou, ou trois pour l'une. Veser lezou, ou bien 10 pour l'une, ou Mea lezou, ou bien 100 pour une. Entre parenthèses, il y a plein de parenthèses à faire en fait, mais soit on parle du cas où il y a eu 1 contre 2, 1 contre 3, 1 contre 100, contre 10 et contre 100, ou soit il y a eu 1 contre 2 qui sont mélangés avec les 3, qui sont mélangés avec les 10, qui sont mélangés avec les 100, peu importe, tout revient au même en fait. Pour le moment, on va d'abord rappeler ce qu'il fallait faire a priori, on va prendre un cas simple de 1 qui se mélange avec 3, d'accord? 1 qui se mélange, une paire d'oiseaux, Rachel elle avait accouché une fois, tandis que Léa, elle a couché 3 fois. Elles doivent apporter en tout, donc, chacune une paire d'oiseaux. Rachel, un khatat et un ola. Et Léa, 3. 3 khatat et 3 ola, indéfini, bien sûr. Et ça se mélange. Souvenez-vous, la règle me disait, ben, parmi les deux qui se sont mélangés, il y a eu 1 contre 3, tu prends le chiffre inférieur, et tu fais... De ce chiffre inférieur, ce nombre du plus petit, tu fais la moitié khatat, la moitié ola. 1 et 3, tu prends 1, tu fais la moitié khatat et la moitié ola. Donc tu as 4 oiseaux et c'est tout, tu ne pourras pas faire plus. Tu avais 2 et 10, tu prends le 2 et tu fais moitié khatat, moitié ola. D'accord? Donc 2 paires, ça veut dire que tu vas faire, tu as 4 oiseaux, 2 oiseaux khatat, 2 ola. Et pas plus. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la crainte que, à partir du moment où tu vas faire 2 khatat, bah, tu ne pourras plus faire un troisième khatat, parce que tu es en train de piocher maintenant l'âme sœur de ces deux-là, et qui sera forcément Ola. Donc tu pourras faire ensuite deux Ola, et puis après c'est fini. D'accord? Tu prends toujours, donc souvenez-vous.
parmi, lorsqu'il y a eu un mélange, une quantité dans une autre quantité, tu prends la quantité inférieure, le chiffre, le nombre de paires mélangées de la quantité inférieure, et tu apportes que ce nombre-là du mélange. D'accord? C'était la règle. Là, lorsqu'on va avoir affaire au Kohen qui va prendre ses initiatives et qui va tout faire à sa manière, eh bien, ça va s'inverser. Il s'avère que le grand chiffre, ce sera ce qui sera bon. Et on va expliquer pourquoi, ne vous inquiétez pas. D'abord, on commence avec le cas simple. Achat les ou shtaim les ou. Une paire pour l'un et deux paires pour l'autre. Pour Rachel et pour Léa. Veshalosh les ou, bien, avait 3 pour Léa. Veesser les ou, elle avait 10 Léa. Ou Mea les ou, elle avait 100. Asakulan, il a pris son initiative, lui le Kohen, il est parti, il a fait maintenant, on avait 101 oiseaux, 101 paires d'oiseaux, donc 202 oiseaux, il est parti là-haut et tac, il leur fait la Melika, un après l'autre, et tac, il jette au feu, il jette au feu, il jette au feu, il a fini les 202. Qu'est-ce qu'il a fait là dans cette histoire? Alors ça, vous le connaissez bien. Mertsa Kacher ou Mertsa Pasoul. Bah, quoi qu'il arrive, t'as fait les 101 paires, bah t'auras au moins fait 101 Ola comme il fallait. Et les 101 autres, c'était n'importe quoi, tant pis. Donc, Mertsa Kacher, la moitié a été validée, et au Mertsa Pasoul, l'autre moitié a été invalidée, et puis chacune devra apporter de nouveau 100 khatat pour Léa et un khatat pour Ola, pour Rachel. D'accord? Maintenant, Kulan le Matan. Le Kohen, il a dit non, non, il ne faut pas les faire en haut, il faut les faire que en bas. Alors quoi? Mertsa Kacher, au Mertsa Pasoul, le même principe. Tu as fait 101 paires d'oiseaux, donc 202 oiseaux en khatat. Et t'as aspergé sur le Mizbéach, dans la partie inférieure du Mizbéach, tu t'es acquitté quand même de tous les khatat, Mertsa Kacher, Mertsa Pasoul, la moitié sera cachée, l'autre moitié sera validée. Attention, Chetzian le Maalan, Chetzian le Maata, lui le grand Chacham, il s'est dit, bon, j'ai mélangé là, on va prendre un cas plus simple, plutôt que les 101, on va prendre un cas où il y avait 1 et 3, d'accord? 1 et 3, il a dit, bon, ben maintenant j'ai 4 paires d'oiseaux, donc il faut que je tire de là 8 oiseaux que je vais aller, 8 oiseaux que je vais aller faire en haut et 8 oiseaux que je vais aller faire. Non, il y avait 4 paires en tout, excuse-moi. Donc il va prendre 4 oiseaux, 2 paires d'oiseaux qu'il va aller faire en haut, 2 paires d'oiseaux qu'il va aller faire en bas. 4 en haut, 4 en bas. Eh bien, la Mishnah enseigne que sache qu'a posteriori, Hamerubé Kacher. Le gros chiffre, c'est lui qui est Kacher. Et là, on explique un petit peu mieux ce qui se passe. C'est pas compliqué du tout, il faut juste que j'explique bien et que vous compreniez bien. D'accord, ça fait deux. Je vous fais plus confiance à vous qu'à moi, en fait. D'accord, mais je vais m'en sortir. J'ai pas la terminologie pour expliquer, c'est ce qui m'énerve à chaque fois, mais c'est pas grave. Il y a le. Donc on a dit une quantité, une petite quantité qui se mélange avec une grande quantité. A priori, maintenant que tu as le mélange, la petite quantité dans le chiffre inférieur avec le chiffre supérieur, tu prends le chiffre inférieur, tu apportes la moitié en khatat, moitié ola. C'était la règle que tu fais a priori. A posteriori. Sache qu'a posteriori, eh ben, c'est le chiffre supérieur qui aura été que tu auras réussi à sauver. Et je m'explique. Tu avais par exemple, je préfère prendre un cas où il y a un peu plus complexe, en fait, c'est un peu plus facile. Ça permettra de mieux mettre en évidence qu'on ne se trompe pas. Deux paires d'oiseaux qui se mélangent avec cinq paires d'oiseaux. Donc on a dit, a priori, maintenant tu as sept paires d'oiseaux devant toi, tu prends le chiffre inférieur, 2. Et tu fais que les deux paires d'oiseaux. Donc ça veut dire quatre oiseaux, deux khatat, deux ola. Uniquement. Parce que tu ne pourras pas prendre un autre oiseau et le faire ni khatat ni ola, parce que peut-être que tu es en train de piocher l'âme sœur d'un khatat ou d'un ola. D'accord? Donc c'est chiffre inférieur. Maintenant, lorsqu'on ne pose pas de questions, et maintenant on a deux, et on a dit combien? Deux et cinq. Et qui ne pose pas de questions, qui coupe ça en deux. Bon. Il coupe ça en deux, maintenant il avait sept. Il a pris maintenant sept oiseaux en haut, sept oiseaux en bas. Dans le meilleur des cas. Ben, il a réussi à piocher exactement les bonnes cartes. Il a pris les 7. Il a pris 2 et 5 de Rachel et 5 de Léa. Et 2 de Rachel et 2 et 5 de Léa de nouveau. Ça, c'était dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, ça veut dire qu'il a pris tout Rachel en haut, par exemple. Ou tout Rachel en bas, peu importe. Donc tu as pris tout Rachel en haut. Mais Rachel, elle avait deux paires. Donc tu devais en apporter 7. Donc ça veut dire que tu as pris 7 oiseaux. Donc tu as pris 4 oiseaux de Rachel, et sur ça tu as pris aussi 3 oiseaux de Léa. Et tu es parti les faire en haut. Donc c'était des Ola. Ben regardez. Donc 3 oiseaux de Léa, vadaï que tu peux les faire Ola. Parmi les 4 de Rachel, il y a aussi 2 Ola. C'est-à-dire qu'on est arrivé de nouveau, on a 5 Ola en haut, et 2 que tu as fait pour rien en bas.
Maintenant, parmi les 7 que tu vas faire en bas, bon, ben, alors, tu as commencé à piocher parmi les 10 oiseaux de Léa, qu'elle avait 5 paires, tu as commencé à en piocher 3. Il fallait piocher encore 2 supplémentaires en Ola. Tant pis, tu les as fait ratat, tant pis pour toi. Mais quand même, parmi les 7 oiseaux que tu vas faire, parmi les 7 oiseaux que tu vas faire en bas, eh bien, ouais, parce que tu en avais 10 en tout, tu en as fait 2 en haut, tu en as fait 3 en haut. Ouais, 3 en haut. Donc il y avait maintenant parmi les 7 qui te restent en bas, il y en a 2 qui devaient être des Ola, puisqu'ils appartenaient à Léa. Il fallait les faire Ola, elle devait faire 5. 2 qui sont partis, que tu as grillé pour rien. Mais 5 que tu as réussi à sauver. Prenez n'importe quelle configuration, et vous verrez toujours que le chiffre inférieur, c'est logique, quoi. C'est parce qu'en fait, le chiffre supérieur, plutôt, c'est lui qui sera validé a posteriori. D'accord? Prenez un exemple avec même 10 et 100. D'accord? 10 et 100. Donc ça veut dire qu'on doit faire maintenant 110 ratat. 110 Ola en haut du Misbéar et 110 ratat en bas du Misbéar. Ok. A priori, alvaï qu'on a réussi à piocher les bons oiseaux et qu'on a fait les 110. 10 de Rachel et 100 de Léa. Et 10 de Rachel et 100 de Léa pour les faire en bas aussi avec le ratat. Mais au pire, au pire, au pire. Alors tu as substitué 10 de Léa par les 10 supplémentaires de Rachel. Donc en fait, ce sera toujours justement ces 10-là qui seront invalidés, tandis que tu as substitué, en fait, à la place que Léa l'apporte, 100 Ola, il va s'avérer qu'elle va apporter finalement, et 100 Ola et 10 Ola pour Rachel, il va s'avérer que maintenant, ben, 10, tu les as gaspillés parce que tu les as transformés avec les 10 supplémentaires de Rachel, qui sont devenus maintenant, au lieu que tu les fasses, les 10 supplémentaires de Rachel, au lieu que tu les fasses Rata, tu les as fait Ola. Donc finalement, l'un dans l'autre, on retombe sur notre compte toujours que le chiffre supérieur, ce sera celui qui sera validé a posteriori. Ok? Il s'avère que maintenant, on a deux types de mélange. Un mélange égal ou un mélange où c'est pas égal. D'accord? Et la Mishnah, elle va me donner maintenant une généralité, comme si ce n'était pas assez clair de me dire, bah, c'est très simple. Si c'est à chiffre égal, eh ben, ce sera la moitié cachère, la moitié passoul. Et si ce n'est pas à chiffre égal, ben, tu prendras le chiffre supérieur. C'est ce que la Mishnah est censée venir me dire, c'est une généralité évidente. Elle va me le dire de manière compliquée. Le Bar Tanoura ne va rien expliquer, et il y a le Tivrei Israël qui va quand même expliquer quelque chose d'extraordinaire. Mais attention, on va l'expliquer. Regardez, je traduis. Zaklal, telle est la généralité maintenant de la Mishnah Aleph et Mishnah Bet. Kol makom shataya chol lachlok et akinim. Tout endroit où tu réussis à partager les kinim, à partager les paires d'oiseaux, veloiyu michel isha achat. Et il s'avère que ils n'appartiendront pas à une seule femme. La phrase, elle est floue. Ben mile malan, ben mile matan, que tu les aies fait en haut ou que tu les aies fait en bas. Phrase bizarre. Mertsa kacher ou mertsa pasoul. La moitié sera kacher, l'autre moitié sera invalidée. Tandis que kol makom she'en atayachol lachlok et akinim. Mais tout endroit où tu ne parviens pas à partager les kinim, à partager les paires d'oiseaux, Adcheyu, Michel, Isha, Achat, jusqu'à qu'ils vont tous appartenir à une seule femme, Ben Mile Matan, Ben Mile Malan, Ben Mile Matan, que ce soit en haut, que ce soit en bas, Amerubé Kacher. Le grand chiffre sera Kacher. Bon, la phrase elle est bizarre, je n'ai même pas réussi à la traduire comme ça facilement, si ce n'est que grâce au Tiferet Israël. C'est le seul qui a réussi à me calmer, quoi. Et je m'explique. La Mishnah elle est venue, la Mishnah en fait elle m'enseigne comme ça. Extrapoler le cas. Imaginez maintenant, c'est pas un cas où il y a juste deux femmes qui se des kinim de deux femmes qui se mélangent, mais il y a trois et quatre et cinq femmes qui se mélangent. Une, elle devait en apporter deux, l'autre, elle devait en apporter trois, l'autre, elle devait en apporter quatre, et l'autre, elle devait en apporter huit, peu importe. Eh bien, en fait, la Mishnah me donne une généralité extraordinaire. Elle me dit, tu sais, chaque fois que tu vas réussir à partager les kinim, les paires d'oiseaux, de manière à ce que, est-ce qu'il soit possible que tous les kinim de l'une soient passés en haut, de une ou de deux ou de trois, et tous les kinim de l'autre en bas. Ouais? Et bien dans un cas pareil, sache que tu auras toujours la règle qui va te dire la moitié sera cachée, la moitié sera validée. Par contre, si tu ne parviens pas à partager les oiseaux même dans le pire des cas, de manière à ce que quoi qu'il arrive, il y a des kinim, il y a des paires d'oiseaux de femmes, qu'elle a une partie en haut, une partie en bas, selon les chiffres paires ou impaires, mais ça dépend, c'est un peu plus compliqué. Ouais, et bien dans ce cas-là, hein, sache que dans ce cas-là, tu devras toujours partir selon l'autre option de dire Hamerubé Kacher. La majorité sera Kacher. Et j'illustre un peu mieux pour mieux comprendre.
Imaginez qu'on avait en fait trois femmes. Une qui avait apporté un, deux, et l'autre deux, et une troisième femme qui devait en apporter trois. D'accord? Donc 1 et 2 et 3. Il s'avère que 1 et 2, ça vaut 3. Donc il est possible que finalement, quand le Cohen il va venir avec sa tête de brute, il me dira, oh, je partage en deux, j'en prends 6 et je les fais en haut, et je prends 6 et je les fais en bas. Il est possible que cette fois-ci, tous les kinim de certaines sont passés tous en haut, et les kinim des autres sont passés tous en bas. Il est possible de faire un partage pareil. D'accord? Puisque c'est possible que ce soit partagé de la sorte, alors sache que finalement, il y aura la moitié des kinim cachés en haut, la moitié des kinim cachés en bas. Toujours. Selon le même principe. Parce qu'au pire des cas, au mieux des cas d'abord, c'est qu'il a partagé exactement chaque canne, et que dans ce cas-là, les 6 et 6, tout est caché là. Et puis au pire des cas, il a pris les 6 qui appartenaient à l'une et les 6 qui appartenaient à l'autre. Par contre, prenez un cas où il y avait 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Une paire, deux paires et quatre paires. Il s'avère que finalement, quoi qu'il arrive, lorsqu'il va couper ça en deux, il va forcément dissocier les paires d'oiseaux de Madame 4. Ouais, parce qu'il va, puisqu'il a 1, 2 et 4, donc ça veut dire qu'il a maintenant 7 paires d'oiseaux devant lui. Or, avec 1 et 2, il ne peut pas faire 7. Il va nécessairement prendre 1 de Madame 4. Il va le faire en haut. Et puis après, les 7 autres de Madame 4, il va le faire en bas. Dans un cas pareil, tu valideras toujours le chiffre, tu partiras toujours selon le chiffre supérieur, c'est-à-dire selon 4. D'accord? Il y aura 4 qui seront validés, puisqu'en fait, il y aura eu 1, 2, et plus le 1 de 4. D'accord? C'est le principe, prenez tous les chiffres, jouez avec tous. Il y a encore une autre petite finesse supplémentaire, mais déjà habituez-vous avec cette première-là. C'est que, en fait, imaginez qu'on a eu maintenant, je ne sais pas moi, 3, 5 et 9. Bon, alors 3, 5, ça fait 8 et 9. Ah, 3, 5 et 9, et bien dans ce cas-là, il faudra toujours partir selon le chiffre supérieur. Si a posteriori ensuite il a eu 3, 5 et 9 qui sont mélangés, donc ça veut dire qu'il avait 17 paires d'oiseaux. Ouais, 3 et 5, ça fait 8, plus 9, ça fait 17. Il avait 17 paires d'oiseaux, 34 oiseaux. D'accord? Il en a fait 17 en haut et 17 en bas. Bon, puisque 3 et 5, et puisque finalement, celle du 9, il y a forcément eu au moins un oiseau qui est passé là-haut, et bien dans ce cas-là, on ira selon le chiffre supérieur, on prenait le 9, et ce sera ce chiffre-là que, a posteriori, il y aura eu, parmi ce mélange-là, il y aura eu 9 ratat et 9 ola qui ont été validés. Par contre, s'il y avait eu, on a dit, 3, 6 et 9, alors là, c'est égalité. Dans ce cas-là, on aura eu 9, la moitié, quoi, la moitié cachère, la moitié haut. D'accord? C'est le principe qui a été dit. Il y a maintenant un cas un peu plus vicieux, c'est le cas de 3, 7 et 9. 3, 7 et 9, là, quoi qu'il arrive, on n'a aucun moyen de dissocier ça, qu'on ait tous les kinim d'une dame, tous les kinim de certaines en haut et les kinim de l'autre en bas. Il y a forcément eu des croisements. Alors dans ce cas-là, 3 et 7 et 9 de l'autre côté, dans ce cas-là, attention, on ne va plus partir selon le chiffre 9, on va partir selon 3 et 7. Ça s'additionne. Et ça veut dire qu'il y aurait eu 10 kinim qui ont été validés a posteriori. Et c'est ce que la Mishnah a enseigné avec sa généralité. Je vous relis maintenant la phrase, juste que vous voyez comment ça en vient dans les mots. Il y a de quoi rallonger encore beaucoup, il a rallongé énormément le Tifrat Israël pour expliquer ça. Mais ça rentre parfaitement dans les mots. Regardez, Zach, là, telle est la généralité. Kol makom, tout endroit, shataya chol lachlok et ta kinim, que tu parviens à partager les kinim, donc les paires d'oiseaux qui ont été mélangés. Veloyu Michalisha Achat, de manière à ce que tu vas les partager en deux. Le Kohen, il vient, il coupe ça en deux, et il s'avère que maintenant, il a réussi à faire passer tous les kinim de certaines d'un côté, tous les kinim des autres de l'autre, sans qu'il y ait eu des kinim qui ont laissé une paire d'un côté, une part des oiseaux d'un côté, une part d'oiseaux de l'autre côté. Alors, Ben Milemalan, Ben Milematan, c'est-à-dire qu'elle a réussi à les partager entre le haut et le bas. Et bien dans ce cas-là, la règle, elle te dira que Mersa Kacher ou Mersa Pasoul, la moitié sera Kacher, la moitié sera validée, en haut comme en bas. Tandis que, Kolmakom She'en Ata Yacholachlok et Akinim, par contre, un endroit où tu ne parviens pas à partager les paires d'oiseaux, chacune respectivement, selon le nombre d'oiseaux qu'elle avait, Hacheyu Michel Ishaha, jusqu'à que il y aura tous les oiseaux d'une seule femme d'un côté et tous les oiseaux de l'autre femme de l'autre côté, des autres femmes de l'autre côté. Ben Mile Malan, Ben Mile Matan, que ce soit en haut, que ce soit en bas, parce que forcément, il y aura eu forcément des paires d'oiseaux qui ont été séparés de leur âme sœur, que une elles sont passées par avec les khatat, d'autres qui sont là. Dans ce cas-là, la Mishnah m'enseigne, Amerubé
kasher. Ce sera le chiffre supérieur qui sera validé parmi ces paires d'oiseaux. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.